Caritas Genève est une association fondée en 1942 dont la mission principale est de lutter contre la pauvreté en apportant une aide concrète aux personnes en difficulté. Depuis février 2011, l'association a repris l'exploitation d'une teinturerie au pied de l'immeuble Étoile Palette au Grand Lancy. La particularité de ce lieu est qu'il constitue un centre de formation et d'intégration dans le domaine de l'entretien du textile. Nous inaugurons au Grand Lancy une boutique Point Rouge qui est spécialisée dans la blanchisserie, mais qui a quelque chose de particulier, puis c'est aussi un magasin école qui a pour vocation de former, d'accompagner des personnes sur leur parcours vers la vie professionnelle. Des personnes des fois en difficulté qui ont eu des parcours difficiles, mais avec lesquelles on a fait tout un travail pour étayer leur parcours, pour faire en sorte qu'ils arrivent à surmonter un certain nombre d'obstacles. C'est mon petit bijou, si vous voulez. Parce que quand je suis arrivée ici il y a 10 mois, c'était donc un pressing qui a été offert par Bechler, où j'ai été employée pendant 25 ans. Déjà formatrice aussi de tout le personnel 5 à sec Bechler. La teinturerie offre une formation de qualité en fournissant aux apprentis de bons outils pour s'insérer sur le marché du travail. C'est une boutique ordinaire parce que c'est un nouveau concept dans le domaine de l'intégration. Plutôt que d'avoir des boutiques spécialisées qui sont dans un milieu extraordinaire, on a une boutique tout à fait ordinaire, en lien avec l'économie privée, pour avoir des débouchés professionnels notamment, mais aussi pour assurer le même service à la clientèle que dans n'importe quelle autre boutique. Et les gens qui vivent et travaillent apprennent à rendre ce service, à faire un travail professionnel, soigné pour la clientèle. C'est une nouvelle approche dans l'action sociale en général. Souvent l'action sociale se faisait dans des univers spécialisés. Nous offrons des ponts entre le monde de l'entraide et puis le monde du travail. J'en ai 2 petites personnes que j'ai formées, et donc une qui va partir dans 1 mois et demi, qui va partir dans le milieu du travail, et puis que je suis très fière d'elle. La rénovation et le remplacement des machines n'auraient pas été possibles sans le soutien de la fondation Hans Wilsdorf, propriétaire exclusive du groupe Rolex. Le but de la fondation est d'assurer la pérennité du groupe horloger, mais également d'allouer des dons à des œuvres de bienfaisance et à divers instituts de formation en Suisse. Grâce à elle, la teinturerie Point Rouge utilise du matériel de qualité qui respecte les critères du développement durable et assure des conditions de travail et de formation optimum. Nous avons des besoins d'offrir le meilleur service possible, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais en plus, notre souci, c'est d'offrir aussi des conditions de travail qui répondent aux standards les plus élevés en matière de sécurité des travailleurs. Et puis, de plus en plus, dans ces métiers-là, eh bien, il est nécessaire aussi d'avoir une préoccupation écologique. Donc, on n'utilise pas n'importe quel produit. On essaye d'utiliser les plus hauts standards en matière aussi de respect de l'environnement dans cette boutique, en ayant rénové le matériel pour le confort des travailleurs, mais aussi pour le respect de l'environnement. Les machines qu'il y avait quand je suis arrivée ici, c'était des machines très anciennes. Donc notre machine à sec, que je suis très très fière, c'est que maintenant elle est écologique. On a beaucoup moins de soucis santé. Caritas étant une association à but non lucratif, l'ensemble de ses revenus est utilisé pour financer la formation et les actions sociales du groupe. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette boutique s'inscrit dans un vaste ensemble, en lien avec le centre de tri de Caritas qui est sur la commune de Plan-les-Ouates. Et comme c'est une boutique qui a contact avec la clientèle, il y a aussi des produits de notre activité. Et les bénéfices, comme nous ne sommes pas une entreprise à but lucratif, tous les bénéfices sont réinvestis pour la formation, pour assurer une meilleure qualité de la formation des personnes en intégration et pour l'action sociale en général, comme dans l'ensemble des boutiques Caritas. Il y a 13 boutiques dans tout le canton qui font surtout de la vente de seconde main. Prochainement, une petite boutique devrait voir le jour à côté de la teinturerie Point Rouge. Les clients pourront y trouver vêtements de soirée et autres robes de mariée de seconde main à des prix abordables. Au sein de ce projet, la teinturerie sera mise à contribution pour mettre en valeur et préparer les textiles qui y seront vendus.
Pour l'heure, n'hésitez pas à amener vêtements, housses de canapé et autres textiles à la teinturerie Point Rouge du Grand Lancy. En plus de vous éviter la corvée du nettoyage et du repassage, vous contribuerez par ce geste à une action de solidarité.